Je fais depuis 5 ans de la sécurité dans le secteur privé et je suis chez Samsic depuis 2019. Je vais être le premier au contact du personnel, des employés ou des personnes, et je vais m'assurer qu'elles se sentent en sécurité et qu'elles soient surtout en sécurité, pas qu'il n'y ait qu'une sensation. Dans le quotidien, en fait, il n'y a pas une chose qui me plaît. C'est une globalité. Le métier de la sécurité est vraiment, on va dire, diversifié, complexe dans un certain sens, parce qu'il y a beaucoup de choses à assimiler et à faire, même si au final, une fois qu'on le sait, on le fait naturellement. Alors sur site, l'agent de sécurité a deux postes distincts. Il a soit donc le poste en guérite, donc il va faire beaucoup de filtrage, que ce soit sur le piéton, sur le véhicule, et il y a le poste itinérant. Le poste itinérant, on va dire, c'est le plus diversifié, dans le sens où en fait son but va être de répondre aux appels du PC sécurité pour intervenir sur différentes alarmes, et de, on va dire, quand il n'y a pas d'intervention urgente, ça va être de tourner sur les bâtiments pour faire des contrôles comme sur les ascenseurs, sur les détecteurs incendie, sur les déclencheurs manuels, sur les portes coulissantes, vérifier qu'il n'y ait personne de coincé par exemple, tout simplement, qu'il n'y ait pas d'accès libre pour que tout le monde puisse rentrer librement sur le site. Donc il y a tout un panel de contrôles à faire qu'on fait régulièrement, et ce qui fait que la journée en fait est à la fois très remplie et jamais pareil. J'ai passé un CAP et un bac pro en maintenance nautique. Ensuite, je me suis engagé en gendarmerie maritime en tant que gendarme adjoint volontaire pendant 4 à 5 ans. Et ensuite, je suis rentré en sécurité privée et donc j'ai rejoint le groupe Samsic en 2019.